Hello, hello Shinobi en herbe, bienvenue sur Ultimate Show pour la saison 2 de votre show commenté. Ici évidemment on se retrouve pour poursuivre ce show qui est réservé uniquement à vous autres abonnés. Alors c'est simple, il suffit tout simplement de m'envoyer un message et alors un gameplay à la clé bien sûr avec un lien derrière. Eh bien je suis par la suite susceptible de sélectionner votre show commenté. Ici c'est celui de Idea qui rêve et donc vous retrouverez juste en dessous de cette vidéo dans la description le lien de sa chaîne. Alors installez-vous convenablement puisque eh bien le show débute et donc sur votre gauche vous avez donc Idea qui rêve, hein, son pseudo je pense que c'est bien ça, Braniadou 95 qui nous joue donc Minato Namikaze accompagné ici évidemment de Madara Uchiha, et à droite sur sa droite vous avez donc Ryu qui joue donc Sasuke Uchiha accompagné de son sensei Kakashi. Et là déjà le combat bat son plein à l'avantage ici de Idea qui rêve, qui casse la garde ici avec cette prise garde qui passe nickel. Et c'est parti avec le switch là, ah ouais, le rush derrière avec l'enchaînement sur Kakashi. Ah super, incliné ici avec l'enchaînement de chop avec l'éclair jaune de Konoha. Et c'est parti, hein, ici ça va être les switch. Hein, Ryu qui va mettre évidemment les devants, les bouchées doubles pour revenir dans ce match. Large avantage ici des Idea qui rêve. Et attention, le rejet derrière et l'enchaînement de l'éclair jaune de Konoha. Et l'incliné qui ne passera pas, trop prévisible pour Ryu qui alors rentre directement pour enchaîner, pour reculer. On récupère tranquillement de part et d'autre le chakra. Et là ça se rush simultanément une fois de plus. Et c'est parti pour le taijutsu évidemment ici, hein, et ça suit énormément de part et d'autre d'ailleurs pour perturber son opposant. Et les kunai ici avec les combos qui rentrent pas, le premier qui est confirmé par évidemment Ryu. Ryu qui va encore continuer, il va essayer ici peut-être de refaire son retard. Et encore des dashs simultanés, le parchemin explosif qui ne passe pas, et le combo en arrière évidemment c'est magnifique. Et oui, plus aucune permutation du côté de Ryu qui malgré tout est en avance ici au niveau du combo. Les Brain avec plusieurs lancements de parchemin avec la prise garde derrière, c'est magnifique. Et l'incliné au complet, le switch, la chope s'il vous plaît. Et là, même si Idea qui rêve avait assez de permutes, il a été incapable de bouger, il a été carrément immobilisé par son opposant. Attention, une fois de plus, l'avantage est à Idea qui rêve au niveau des permutes. Et oui, c'est parti ici à permutation, on va dire à égalité pour l'instant. Et encore une fois de plus c'est Ryu qui prend l'avance, c'est magnifique, plus qu'une permutation de part et d'autre. On récupère, le combat se temporise et là ça va être le gros finish. Ryu voit sa vie virer en rouge, mais il fait de même avec évidemment son opposant Idea qui rêve, qui va essayer quand même de remporter ce match. N'oubliez pas que c'est son show. On récupère encore du chakra pour ce final. Et tout de suite, le close combat de part et d'autre. On ne sait pas comment confirmer ça. C'est vraiment un combat de très haut niveau. Et c'est parti. Encore uniquement de l'enchaînement. Encore à corps. La chope bien permutée. Plus aucune permutation de part et d'autre. Attention, la match se termine ici. Le combo en arrière qui se termine par un enchaînement au sol. À la garde qui se brise. Non, ce ne sera pas le cas aussi. Et c'est justement cela qui permet à Ryu de gagner ce combat. Et oui, on pensait quand même à ce que Idea qui rêve préserve son avantage, mais cela n'a pas du tout été le cas. Et finalement, c'est une défaite. C'est dommage, c'était un très très beau match. Faites-le moi savoir si vous êtes également de mon avis. Alors, ça n'a pas été simple pour moi lors de ce show parce que, évidemment, on m'envoie une vidéo gameplay sans me dire, par exemple, oui, moi je joue avec le personnage qui a le nom indiqué, le pseudo ici c'était Braniadou, je pense, si j'ai encore bonne mémoire. Eh bien, s'il vous plaît, facilitez-moi le travail, c'est-à-dire lorsque vous me demandez de commenter votre show, eh bien, rappelez-moi votre PSN sur le jeu, parce que je ne suis pas censé, je ne suis pas devin, excusez-moi, hein, je ne suis pas censé deviner que votre pseudo est un tel sur PSN. Et donc, facilitez-moi le travail, dites-moi, ben voilà, moi c'est par exemple Ultimate Show, eh bien, je t'envoie mon gameplay, mon pseudo sur PSN, et eh bien, c'est
utiliser Grit-Gamer, de manière à ce que lorsque je commente, évidemment, que je n'ai pas à cliquer à gauche, à droite et à rechercher votre vidéo dans mes archives, parce que j'en reçois ça et là, et franchement, c'est pas évident de regarder dans les archives vidéo, hein, n'oubliez pas, j'ai pour vous, justement, moi j'appelle ça une banque de données, hein, c'est-à-dire mon trésor, là où je mets tous vos gameplays, et donc, par la suite, eh bien, je repioche par ordre de ceux qui m'ont envoyé, évidemment, il y a quelques temps déjà, leur gameplay. Eh bien, je repioche là. Et donc, parfois, j'ai la surprise de découvrir une vidéo où je ne sais plus qui me l'a envoyé. Donc, si vous me rappelez pas, même dans le titre de votre vidéo gameplay, en mettant, par exemple, combat, ici, ça aurait été simple de mettre combat, Idea qui rêve, pseudo, PSN, Bragnadou 95, un truc comme ça. Rien que dans le titre de votre vidéo, eh bien, c'est plus facile pour moi. Et s'il vous plaît, laissez-moi le loisir de pouvoir vous mettre ma petite sauce, la petite sauce musicale, avec l'habitude que j'ai justement de pimenter un petit peu le combat. Donc, si vous mettez vous une musique de fond, eh bien, ça perturbe tout le travail, d'accord ? Donc, plus simple, c'est encore de ne mettre aucune musique, de manière à ce que ça rende mieux lorsque je monte votre vidéo gameplay. Alors, je vous laisse, je ne vous garde pas plus longtemps, et donc c'est reparti, n'hésitez pas à m'envoyer plein de vidéos, moi je vous attends, et merci encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre. N'oubliez pas que tout cela, tout ce show commenté n'est que pour vous, donc je vous dis à très bientôt pour peut-être ton show commenté à toi qui a suivi cette vidéo. N'hésite pas alors, sayonara, shinobi en herbe, ciao ciao.